Nous intervenons expressément ce soir avec une série de communications importantes de la présidence de la République. Commençons tout de suite par ces communiqués. La présidence de la République informe l'opinion tant nationale qu'internationale que, donnant effet à sa promesse faite à la nation lors de son allocution à l'occasion du lancement du programme d'urgence de 100 jours, de veiller à la libération des prisonniers politiques et d'opinion, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vient de prendre une série de mesures destinées à matérialiser cette promesse. En premier lieu, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vient de signer 3 ordonnances accordant mesures individuelles de grâce à des personnalités ci-après. Monsieur Franck Diongo, Firmin Yangambi, Liboté, Tuité Kalumba, Kalonji Mukeba, Mbav Kabwant, Kazadi Bukasa et Kabemba Lumbe. Une ordonnance portant mesure collective de grâce à toute personne condamnée par une juridiction civile ou militaire à la suite de manifestations publiques ou des réunions politiques intervenues entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018. En second lieu, sur instruction de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a pris une série de mesures ayant pour effet la libération des personnes détenues. Il s'agit notamment des arrêtés ministériels numéro 107 et 108 portant mesure de libération conditionnelle des personnes reprises dans les 10 arrêtés ayant purgé l'écart de leur peine dont la durée d'incarcération déjà subie dépasse 3 mois et ayant fait preuve d'amendement pendant la durée de leur incarcération. Un arrêté portant mesure d'exécution de la loi numéro 14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Arrêté qui énumère les noms des personnes éligibles à la loi d'amnistie susdite, mais qui n'ont pas bénéficié de la liberté totale ou y ont bénéficié de l'arrêté de liberté mais sans jamais avoir recouvré leur liberté. En troisième lieu, le président de la République a instruit le ministre de la Défense nationale et ancien combattant de prendre l'arrêté de libération conditionnelle à effet immédiat de tous les détenus condamnés par les juridictions militaires ayant rempli les conditions légales en la matière. Fait à Kinshasa, le 13 mars 2019, Vital Kamere Lwakani Nguini. Justement, je reçois sur ce plateau les directeurs de cabinet du chef de l'État, Vital Kamere. Bonsoir. Bonsoir. Quel est alors votre commentaire par rapport à toute cette série de mesures prises par le chef de l'État? Non, nous ne voulons pas commenter les mesures du président de la République. Ici, nous voulons tout simplement dire à l'opinion nationale et internationale que le président de la République avait promis de procéder à la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Il y avait toute une procédure à suivre parce que nous avons le gouvernement et nous devons travailler en relation, en harmonie avec le gouvernement. Donc le ministre d'État de la Justice et des Gardes Sceaux avait été instruit. Son cabinet, comme certains experts de la présidence, ont travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, pour être dans les délais, puisque à l'occasion du lancement des travaux des 100 jours, le président de la République a fait cette promesse, il a tenu de la concrétiser. Ce sont en fait deux. Le président de la République, lors de l'investiture, son investiture, avait dit qu'il va œuvrer pour la réconciliation, le pardon. Et donc, nous voulons que chacun de nous participe à cette œuvre sublime et accorde donc cette grâce présidentielle et cette libération aux personnes que certainement vous allez indiquer encore une fois dans les ordonnances en votre possession. Trois, nous avons voulu aussi, par la mesure de grâce collective,
demander à toute personne ou à des familles concernées qui ont leurs enfants, leurs membres de famille qui auraient été arrêtés ou qui ont été arrêtés durant la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2018, que ces gens-là, dans les conditions que vous avez certainement décrites dans l'ordonnance, vont être libérés, et puisque l'ordonnance entre en vigueur à l'heure de sa signature. Voilà, donc ce n'est pas un commentaire, c'est une clarification en ce qui concerne la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Et personnellement, je me réjouis de voir certains amis, certains compatriotes et tous les compatriotes concernés recouvrer leur liberté. Cela dit, voici les ordonnances signées par le président de la République. Ordonnance numéro 19-023 du 12 mars 2019 portant mesures individuelles, individuelles plutôt de grâce. Le président de la République ordonne. Article 1er. La remise de la peine restant à subir est accordée au condamné Franck Diongo préqualifié. Ordonnance numéro 19-024 du 12 mars 2019 portant mesures individuelles de grâce. Le président de la République ordonne. Article 1er. La remise de la peine restant à subir est accordée au condamné Firmin Yangambi Liboté préqualifié. Ordonnance numéro 19-025 du 12 mars 2019 portant mesures individuelles de grâce. Le président de la République ordonne. La remise de la peine restant à subir est accordée au condamné Tuite Kalumba, Kalonji Mukeba, Mbav Kabouant, Kazadi Bukasa et Kabemba Louembe préqualifié. Ordonnance numéro 19-026 du 12 mars 2019 portant mesures collectives de grâce. Le président de la République ordonne. La remise de la peine de servitude pénale principale ou des travaux forcés restant à subir est accordée à toute personne condamnée par une juridiction civile ou militaire à la suite des manifestations publiques ou des réunions politiques intervenues entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018. Il faudrait aussi souligner ici que la grâce prévue à l'article 1er n'est pas accordée aux condamnés fugitifs ou latitants, aux personnes condamnées pour infractions relatives aux violences sexuelles, corruption, concussion, assassinat, meurtre, viol, vol en main armée, trahison, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre et toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire prévue par les articles 195 à 199 du Code pénal congolais, livre 2, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Excellence, pouvons-nous dire qu'il s'agit là, c'est tout comme mesure de l'État? Il y en a beaucoup. Et il y a les mesures qui sont de la compétence du ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux. Et à ce titre, je voudrais vous dire, vous annoncer, que le ministre d'État de la Justice a signé des arrêtés qui porte mesures de libération conditionnelle aux personnes, plus de 700 personnes, qui se retrouvent dans les différentes juridictions de notre pays, que ce soit dans la province de Olomami, que ce soit dans la province du Congo central, puisque je ne vais pas citer tout ça, que ce soit dans la province du Kwango, dans la province de Otuele, province du Nord Kivu, province du Sud Kivu, province province de Kinshasa,
Il y a aussi un deuxième arrêté, toujours en rapport avec la libération conditionnée, qui concernait la province de l'Ituri, la province de la Tchopo, la province du Nord-Kivu, encore une fois, la province du Kasaï central, la province, je crois que c'est tout, ça a été signé par le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux. Mais il y a plus de 700 personnes, et comme vous l'avez souligné, il y a cette ordonnance portant grâce collective du président de la République, et nous avons insisté et précisé que les personnes qui, par inadvertance, ou qui seraient l'objet d'un oubli de la part de la commission qui a travaillé, ces personnes-là qui remplissent les conditions de la grâce présidentielle peuvent être considérées comme libres et doivent se signaler. Mes jours de grâce pour plusieurs personnalités, pourquoi pas en faveur de Jovin Dongala. Ah, très bien. Vous avez bien fait de poser la question. La question de Jovin Dongala, effectivement, a été examinée. Le président, c'était un légaliste. Il y a le ministère de la Justice, donc il fallait voir tous les contours de la question. Au moins, je vous parle, la question a été vidée totalement. Le ministre Tamboué, qui se trouve actuellement à Kindu, revient ce jeudi et il va signer l'arrêté portant libération conditionnelle du prévenu, notre frère Diomi Ndongala. Donc on ne l'a pas oublié. Excellence, je reviens à vous tout à l'heure. D'abord, cette ordonnance. Ordonnance numéro 19/020 du 8 mars 2019 portant nomination d'un assistant du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le président de la République ordonne un nommé assistant du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. Roger Kibé Lissa. Alors, Excellence, il y a aussi des ordonnances, nous apprenons qu'il y a aussi des ordonnances portant suspension des ministres et de deux mandataires. Oui, ce ne sont pas des ordonnances, puisque vous savez, le ministre relève du chef du gouvernement. Le président de la République est chef de l'exécutif et il veille au bon fonctionnement de toutes les institutions, surtout à l'éthique, aux mœurs et à la déontologie recommandée aux mandataires publics, surtout à des fonctions aussi nobles et élevées comme celles des ministres. Donc, le président de la République a décidé, pas de façon brutale, après que nous ayons discuté avec le Premier ministre à plusieurs reprises, c'est la question du ministre concerné. Il s'agit du ministre des Affaires foncières, M. Lumeya. Le président de la République avait demandé au Premier ministre lui-même de demander au ministre concerné, Lumeya, de rapporter les arrêtés qui avaient été pris par lui en violation des droits des Congolais et des étrangers, de la propriété tout court, ou des arrêtés pris en violation de la loi. C'est ainsi que, ce jour, je viens d'adresser une lettre au Premier ministre sur, au nom du président de la République pour informer le Premier ministre qu'en considération de nombreuses décisions et divers arrêtés pris par le ministre Lumeya, d'où Malegui, ministre des Affaires foncières, en violation flagrante de la loi et des droits des tiers. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, me charge, là je m'adresse au Premier ministre, de vous instruire de procéder toutes affaires cessantes à la suspension de l'intéressé de toutes ses fonctions de ministre des Affaires foncière et de requérir le procureur général près la Cour de cassation pour l'ouverture d'un dossier judiciaire contre ce ministre. Donc ça, c'est une première action contre l'impunité. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que nous ayons tenu plusieurs réunions pour demander au ministre de rapporter ses arrêtés sur des lotissements à des endroits interdits, sur
l'expropriation des citoyens, le ministre ne fait rien. C'est l'insubordination. Et quand le Premier ministre, à son tour, ne prend pas de décision, le président s'assume. Et donc, vous pouvez considérer qu'à dater de ce jour, le ministre est effectivement suspendu et une action judiciaire sera ouverte à son encontre. Nous avons aussi aujourd'hui adressé à monsieur le président de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications au Congo, APTC en sigle, qui relève de la présidence de la République. Nous avons dressé une suspension de toutes ses fonctions à la suite des indices sérieux d'actes de mégestion à sa charge et tenant compte de l'insubordination dont l'intéressé a fait montre vis-à-vis de la hiérarchie. Et donc, à dater de la publication de cette lettre que je lui ai adressée, il s'agit d'une mesure très, très importante pour que tous les autres mandataires publics comprennent que c'est effectivement la fin de la récréation. À partir de ce moment, c'est son vice-président qui va assumer son intérim. Nous avons aussi une autre lettre de suspension que nous avons adressée ce jour au Premier ministre chef du gouvernement. Nous avons posé la question pourquoi pour l'RPTC, nous avons pris la décision directement et adressée à l'intéressé, mais pour le cas de l'entreprise qui sera concernée tout à l'heure, nous passons par le Premier ministre, parce que c'est une entreprise qui est sous tutelle du portefeuille et des ministères des travaux publics, donc le chef du gouvernement doit instruire les ministres concernés pour matérialiser ou prendre acte de la décision du président de la République. Il s'agit de la suspension du directeur général et du directeur général adjoint de la Société congolaise de transport et port, ex-ONATRA. En considération des indices sérieux d'actes de mégestion, achat du directeur général et du directeur général adjoint de la Société congolaise de transport et port, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, m'a chargé d'instruire le Premier ministre, qui va à son tour instruire le vice-premier ministre, le ministre des Transports et Communications, et Madame le ministre du portefeuille, de procéder toutes affaires cessantes à la suspension des intéressés de leurs fonctions de directeur général et de directeur général adjoint et d'y diligenter une mission d'audit. Voilà, la série va certainement continuer, mais nous n'avons pas fait de l'arbitraire. Donc pour arriver à ces mesures, nous avons pris un mois. Et donc nous avons des documents, nous avons des rapports et le droit à la défense est garanti à tout citoyen congolais. La présomption d'innocence, là maintenant ça devient le travail du procureur près de la cour de cassation. Séparation des pouvoirs oblige. Oui, Excellence, ce n'est pas tous les jours qu'on vous reçoit sur ces plateaux. Actualité oblige, vous avez été à Kigali au Rwanda, comme émissaire du président de la République. Pourquoi pas Kigali et non les autres capitales, les autres pays? Je ne sais pas. Le Rwanda, c'est notre voisin. Nous sommes condamnés et par l'histoire, la géographie et la culture de faire en sorte que nous vivions en bonne entente. Nous avons vu la France et l'Allemagne qui ont connu des guerres atroces et finalement sont devenus des deux complices dans le cadre de l'Union européenne. Et ceci est parti d'un intérêt commun autour du charbon. Et aujourd'hui, je crois que les Français comme les Allemands sont en train de savourer cette ère de paix et sont en train justement de faire autre chose que de se battre, s'adonner au travail de l'amélioration des conditions de vie, donc j'allais dire le développement. Donc j'étais porteur du message du président de la République auprès de son homologue du Rwanda, Paul Kagame, justement
parce que les gens qui n'ont pas encore en mémoire les discours du président lors de son investiture, il avait dit qu'il allait instaurer avec la collaboration de tous ses pairs la paix dans la région des Grands Lacs, mais la paix et surtout une coopération gagnant-gagnant avec tous nos voisins. Et donc, on ne va pas divulguer les contenus, mais il s'est agi essentiellement de la sécurité. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne peut pas dormir tranquillement tant qu'il sait qu'au nord Kivu, au sud Kivu, dans l'Ituri, partie du Kasaï central et du nord Katanga, les gens continuent à mourir. Il a fait de la paix sa priorité. Et comme vous le savez, sur notre territoire, il y a des groupes étrangers qui viennent du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Donc cette mission aussi, c'était pour présenter le plan que le président de la République démocratique du Congo voudrait partager avec ses pairs pour justement rétablir la paix, mais aussi passer à l'essentiel, c'est-à-dire au développement intégral de la région des Grands Lacs. Nous irons aussi, et nous voulons le dire avant pour que ça ne soit pas comme un scoop des réseaux sociaux, je voudrais informer ici l'opinion nationale et internationale que je conduirai la même mission et porter du message du président de la République à Bujumbura auprès du président Nkurunziza. Je ferai la même mission auprès du président Museveni à Kampala, en Ouganda. Je crois qu'il n'y a rien qui peut remplacer la paix. Et quand nos enfants continuent à mourir, nos filles, nos mamans continuent à être violées, il est de notre devoir de nous lever et de prendre les mesures qui s'imposent. Voilà, la mission s'est bien passée au Rwanda. Nous avons vu le président lui-même qui nous a bien accueillis. Nous lui avons donné ces messages sans furiture, sans commenter de notre part. Et nous remercions le gouvernement rwandais pour l'accueil qu'il nous a réservé. Voilà, donc nous vous remercions, Excellence, pour d'être venu plutôt sur ce plateau, pour donner toutes ces précisions. À vous aussi, madame, messieurs, qui nous avez suivis attentivement. Merci donc de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.